Avez-vous déjà été confronté à une porte qui s'est fermée brusquement devant vous, pour découvrir ensuite que c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver? Eh bien, aujourd'hui, nous plongeons dans l'art de renverser la situation face au rejet, inspiré par nul autre que le philosophe stoïcien Marc Aurèle. Imaginez-vous dans un monde où chaque « non » ne vous rabaisse pas, mais vous propulse en avant. Le rejet, ou un mot qui pique souvent, peut devenir votre tremplin vers la grandeur. Il ne s'agit pas de tromper le destin, mais de comprendre que parfois, le « non » de l'univers est un « oui » caché à quelque chose de plus grand. Vous vous sentez négligé, ignoré ou sous-estimé? Il est temps de renverser la situation. Dans cette vidéo, nous allons déballer 13 leçons puissantes qui vous apprennent à exploiter la puissance du rejet. Nous ne parlons pas seulement de théorie. Ce sont des stratégies pratiques et concrètes que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne. Avant de plonger, assurons-nous que cette sagesse atteigne le plus grand nombre possible. Appuyez sur le bouton « J'aime » et activez la cloche de notification. Cela indique à YouTube que vous trouvez de la valeur dans ce que nous partageons. Commençons ensemble ce voyage transformateur. Prêt à transformer vos rejets en vos plus grandes victoires? 1. Ignorez-les aussi. Lorsque la vie vous donne le froid de l'indifférence, ne reculez pas. Surmontez-le. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas mesquin. C'est une déclaration puissante de votre valeur personnelle. Imaginez que quelqu'un décide que vous ne méritez pas son temps. C'est leur perte, pas la vôtre. En choisissant de ne pas vous engager, vous dites « je vaux plus ». C'est comme tourner un miroir vers eux, reflétant silencieusement leur comportement et leur montrant que vous êtes indifférent. Comment faire cela sans se perdre dans l'amertume? Simple. Concentrez-vous sur votre vie, vos objectifs, votre bonheur. Plongez dans des activités qui vous enrichissent, que ce soit la lecture, le sport, l'apprentissage d'une nouvelle compétence, ou simplement profiter de la compagnie de ceux qui vous apprécient. Il ne s'agit pas de se venger de quelqu'un, mais de récupérer votre énergie et de l'investir là où elle compte. Parfois, ça fait mal quand quelqu'un nous ignore. Mais au lieu de rester dans cette douleur, utilisez-la comme catalyseur de croissance. Construisez une forteresse de respect de soi et laissez leur indifférence s'y briser. Vous ne faites pas que survivre à leur rejet, vous prospérez malgré lui. Cette approche montre non seulement une maturité émotionnelle, mais elle est aussi une preuve de votre force intérieure. Rappelez-vous, votre valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un à l'avoir. Restez fidèle à vous-même et laissez vos actions parler plus fort que leur silence. 2. Ne réagissez pas émotionnellement. Le rejet peut piquer, vous donnant envie de réagir et de laisser vos émotions prendre le dessus. Mais voici une arme secrète venue du stoïcisme, la sérénité. Quand quelqu'un vous snobe, il est tentant de laisser la frustration ou la tristesse prendre le volant. Le stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Grèce antique, propose un autre chemin. Elle suggère d'adopter une réponse calme et réfléchie. Il ne s'agit pas de réprimer vos sentiments, mais de ne pas les laisser vous contrôler. Quand vous êtes ignoré, au lieu de vous énerver ou de chercher validation, prenez du recul. Demandez-vous pourquoi cela vous dérange. Souvent, ce n'est pas le rejet lui-même, mais nos propres insécurités qui nous blessent le plus. Voici où nous devons être pratiques. Vous êtes ignoré. Respirez. Réfléchissez sur pourquoi ce moment ne vous définit pas, ce n'est qu'un moment. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos actions et nos réponses, pas sur le comportement des autres. Alors restez poli. Restez gentil. Si vous ressentez le besoin de tendre la main, faites-le avec une véritable préoccupation, sans attente. Cette approche n'est pas de la passivité. C'est de la maîtrise de vos émotions. C'est reconnaître que votre valeur personnelle n'est pas liée à l'approbation des autres. Votre pouvoir réside dans la manière dont vous répondez, pas dans la façon dont les autres vous traitent. C'est un changement radical. Adopter cette mentalité n'est pas facile, mais c'est transformateur. Quand vous maîtrisez la sérénité face au rejet, vous ne faites pas que gérer une situation difficile, vous grandissez. Vous apprenez que votre paix intérieure ne dépend pas de la validation externe. C'est un voyage vers la confiance en soi, où vous apprenez à vous valoriser indépendamment. En faisant cela, vous montrez une véritable force et résilience. Et devinez quoi? C'est incroyablement attractif. Les gens sont attirés par ceux qui sont sûrs d'eux, ceux qui ne s'effondrent pas au premier signe d'indifférence. Alors en restant calme, vous ne faites pas que faire face, vous prospérez. Vous devenez quelqu'un qui peut faire face au rejet et le transformer en un tremplin pour la croissance personnelle. C'est la voie stoïcienne. 3. Éliminez-les de votre esprit. Face au rejet,
Maîtriser l'art du détachement devient un outil puissant dans votre arsenal. Il ne s'agit pas d'oublier ou de prétendre que le rejet n'a pas piqué. Il s'agit de canaliser cette expérience en quelque chose de transformateur. Commencez par reconnaître le rejet. Ressentez son impact, mais ne laissez pas ancrer vos pensées. Comme un marin expérimenté naviguant en mer agitée, utilisez les vagues pour vous diriger vers l'avant, et non pour faire chavirer votre bateau. Transformer le rejet nécessite un changement de perspective. Imaginez le rejet non pas comme un obstacle, mais comme un panneau de déviation vous guidant vers de nouveaux chemins et possibilités. Explorez des activités qui enrichissent votre esprit et élargissent vos horizons. Plongez dans un livre qui remet en question votre façon de penser. Pratiquez un sport qui met vos limites à l'épreuve, ou engagez-vous dans un projet communautaire qui offre une nouvelle perspective. Ce ne sont pas que des distractions, ce sont des tremplins vers la découverte de soi et la croissance. Chaque nouvelle expérience sculpte une partie de vous, vous rendant plus résilient, plus adaptable. De plus, cultivez un cercle de positivité. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Partagez vos aspirations et écoutez les leurs. De telles interactions créent un environnement où la croissance mutuelle prospère. Rappelez-vous, le rejet n'est pas un reflet de votre valeur. C'est une invitation à vous redécouvrir et à vous réinventer. En naviguant sur ce chemin, vous trouverez que ce qui semblait autrefois un rejet douloureux était en fait une poussée vers une voie plus épanouissante. 4. Montrez votre valeur. Le rejet fait mal, mais c'est aussi un test de votre résilience. Au lieu de fléchir sous son poids, voyez-le comme une chance de montrer votre ténacité. La prochaine fois que vous êtes écarté dans une réunion ou ignoré pour une promotion, respirez. Au lieu de nourrir une tempête d'apitoiement ou d'amertume, canalisez cette énergie dans une action constructive. Travaillez sur un projet qui met en valeur vos compétences ou proposez de diriger une nouvelle initiative. Votre valeur n'est pas diminuée par la négligence des autres. C'est une opportunité de briller plus fort, sans être découragé par les ombres du rejet. Rappelez-vous ce vieux dicton : quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ce n'est pas juste un bavardage, c'est un plan d'action. Le rejet n'est pas un reflet de votre valeur. C'est une redirection vers l'endroit où vous êtes le plus nécessaire. Si vous êtes passé à côté d'un rôle, peut-être que c'est l'univers qui vous pousse vers quelque chose qui correspond mieux à vos talents et à vos passions. Utilisez cela comme un catalyseur pour réévaluer et réaligner vos objectifs. Quelles sont vos forces fondamentales? Comment pouvez-vous vous adapter pour en tirer le meilleur parti? Il s'agit de créer votre histoire de succès, où chaque revers est une préparation pour un retour en force. Il ne s'agit pas de mettre un sourire sur une déception. Il s'agit d'embrasser toute la gamme des émotions, puis d'avancer avec grâce. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et réactions. Face au rejet, pratiquez l'empathie, tant pour vous-même que pour les autres. Peut-être que ce collègue qui vous a ignoré lutte avec ses propres insécurités. Montrez de la compréhension, non pas comme une faiblesse, mais comme un témoignage de votre force. Grandissez grâce à ces expériences. Réfléchissez-y. Apprenez. Et puis, comme un phénix, élevez-vous des cendres du rejet. Plus formidable. Plus sage qu'auparavant. Le rejet, par conséquent, n'est pas la fin de votre histoire. C'est un rebondissement dans l'intrigue, vous poussant à devenir la version la plus authentique et résiliente de vous-même. Affrontez-le de front avec la sagesse des âges et la vitalité de la jeunesse. Et regardez-le se transformer de votre plus grande peur en votre plus grand allié pour la croissance personnelle et le succès. 5. Coupez les contacts. Le silence n'est pas juste l'absence de son. C'est un outil puissant dans votre boîte à outils émotionnelle, surtout lorsqu'il s'agit de faire face au rejet. Imaginez que vous avez été ignoré ou rejeté. Votre instinct pourrait crier de réparer cela, de tendre la main, de combler ce fossé. Mais voici où vous inversez le scénario. Embrassez le silence. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de reprendre votre pouvoir. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir, de ne pas bombarder de messages ou d'appels, vous prenez du recul. Cette pause n'est pas juste pour eux. C'est pour vous recalibrer, pour vous rappeler que votre valeur n'est pas liée à l'approbation de quelqu'un. Allons plus loin. Ce silence n'est pas passif. Il est actif et stratégique. Vous n'attendez pas simplement, vous réfléchissez et grandissez. C'est un moment pour se recentrer sur vos objectifs, vos passions, votre vie. Pensez-y comme à un bouton de réinitialisation, vous donnant clarté et force. Cette période de non-contact n'est pas froide ou méchante. C'est une limite que vous fixez pour votre paix mentale. Cela dit, je me respecte trop pour poursuivre ou mendier.
cette mentalité n'est pas seulement stoïque, elle est puissante. Elle parle de votre valeur personnelle et de votre confiance. Finalement, pensez au message silencieux que vous envoyez. Dans un monde où l'on attend des réponses instantanées, votre silence peut être intrigant, voire attirant. Il montre que vous n'êtes pas facilement ébranlé, que vous avez une vie pleine d'intérêts et de priorités. Au-delà de ce rejet, il ne s'agit pas de les faire regretter ou de les faire revenir en rampant. Il s'agit de montrer que vous êtes solide, centré, et pas facilement influencé par la validation externe. Cette approche ne garantit pas un changement de comportement de leur part, mais elle assure un changement en vous, vous rendant plus fort, plus centré, et prêt à affronter ce qui vient ensuite avec grâce et élégance. 6. Prouvez-leur qu'ils ont tort. L'art d'utiliser le rejet ne consiste pas simplement à prouver aux autres qu'ils ont tort, mais à vous prouver ce dont vous êtes vraiment capable. Il s'agit de transformer le « non » en carburant pour la croissance. Disons que quelqu'un doute de vos capacités dans une compétence ou une tâche spécifique. Voici votre chance d'affiner cette compétence, non pour leur approbation, mais pour dépasser vos propres limites. Plongez-vous dans l'apprentissage, pratiquez sans relâche, et montrez un niveau de compétence que même vous ne saviez pas avoir. Il ne s'agit pas d'une grande révélation pour les sceptiques. Il s'agit de construire tranquillement une forteresse de compétences et d'assurance. Imaginez l'impact de vos actions plutôt que des mots. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos plans ou votre progression. Laissez vos résultats parler. Si vous êtes considéré comme non créatif, entreprenez un projet qui met en valeur votre créativité. Si vous êtes jugé non engagé, que vos actions constantes soient votre réponse. Cette révolution silencieuse de l'amélioration personnelle n'est pas une bataille contre les perceptions des autres, mais une croisade pour l'excellence personnelle. Et lorsque vous changez, le récit du monde à votre sujet change également. La véritable essence de prouver qu'ils ont tort ne réside pas dans le changement de leurs opinions, mais dans la transformation de votre propre image de vous-même. Votre parcours d'amélioration personnelle ne surprendra pas seulement les autres, mais redéfinira également votre compréhension de vos capacités. Il ne s'agit pas seulement de leur prouver qu'ils ont tort. Il s'agit de redéfinir ce que signifie avoir raison pour vous. Et dans ce voyage, la plus grande victoire est la réalisation que la seule validation qui compte vraiment est celle que vous vous accordez à vous-même. 7. Sortez et amusez-vous. La véritable essence de la vie brille le plus lorsque nous sortons de nos zones de confort. Embrasser la joie n'est pas juste une question de s'amuser. C'est une stratégie pour bâtir la résilience. Face au rejet, la réaction typique est de se replier, de ruminer l'amertume de l'expérience. Mais voici une contre-réaction à cet instinct. En cherchant délibérément la joie. Il ne s'agit pas d'ignorer vos sentiments, mais de leur offrir un nouveau terrain de jeu. Que ce soit en explorant un nouveau passe-temps ou en revisitant une ancienne passion, l'acte lui-même devient une déclaration de défi face au poids du rejet. Les humains sont des créatures sociales, et il y a une puissance immense dans les expériences partagées. Dans votre parcours pour tirer parti du rejet, rappelez-vous la valeur de votre tribu. Invitez des amis pour une randonnée, rejoignez un projet artistique communautaire, ou partagez simplement un repas. Ces moments de connexion font plus que simplement remonter votre morale. Ils réaffirment votre place dans la tapisserie des interactions humaines. Chaque rire partagé, chaque histoire échangée est un rappel subtil que vous êtes plus que la somme de vos revers. Vous faites partie d'un récit plus large, qui prospère grâce à la connexion et à la résilience partagée. Voici où la vraie magie opère. Faites le pas vers l'inconnu. Le rejet peut ressembler à une porte fermée, mais en réalité, il en ouvre beaucoup d'autres. Essayez une cuisine que vous n'avez jamais goûtée, visitez un quartier que vous n'avez jamais exploré, ou assistez à un atelier sur un sujet qui vous est étranger. Ces expériences ne sont pas juste des distractions, ce sont des opportunités de croissance. Chaque nouvelle expérience ajoute des couches à votre caractère, vous rendant plus adaptable, plus empathique, et mieux équipé pour gérer la vie. Les imprévus de la vie. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas d'oublier le rejet, mais de grandir grâce à lui, en transformant chaque « non » en un tremplin vers une vie plus riche et plus vibrante. 8. Renforcez votre statut social. Imaginez que vous êtes dans une pièce, ignorée, presque invisible. Voici votre opportunité cachée. Le stoïcisme nous enseigne à transformer de tels moments de rejet en catalyseurs de croissance personnelle. Au lieu de chercher la validation, concentrez-vous sur l'amélioration personnelle et l'engagement communautaire. Il ne s'agit pas de gravir une échelle sociale, mais de gravir votre propre échelle de développement personnel. Les activités comme la forme physique, l'exploration de passe-temps ou l'avancement de votre carrière ne sont pas juste des tâches.
ce sont vos outils pour vous forger un moi plus fort et plus résilient. Pensez à partager votre parcours, non pour les applaudissements, mais pour la connexion. Lorsque vous parlez de vos intérêts ou de vos réalisations, faites-en un pont pour trouver d'autres personnes qui résonnent avec votre histoire. Ce n'est pas une stratégie pour rassembler des suiveurs, mais une tentative sincère de trouver des âmes partageant les mêmes idées. En vous engageant dans le bénévolat ou le réseautage, vous ne faites pas qu'ajouter des lignes à votre CV, vous tissez une tapisserie de relations significatives. Cette approche est profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne où la croissance personnelle et la contribution au bien commun sont entrelacées. En construisant votre statut social, l'intention est primordiale. Ce n'est pas une quête de popularité, c'est un voyage vers devenir une meilleure version de vous-même. Chaque pas que vous faites devrait être un pas vers l'amélioration, avec un effet d'entraînement qui améliore la communauté. Ce changement de perspective est crucial. Il ne s'agit pas d'être vu, mais de voir sa propre croissance et, en retour, d'aider les autres à grandir. Cet état d'esprit stoïcien est un outil puissant pour naviguer dans le monde moderne, transformant la marée du rejet en une vague puissante de transformation positive. 9. Agissez comme s'il n'existait pas. Face à quelqu'un qui vous ignore, parfois la réponse la plus forte est une réponse silencieuse. Il ne s'agit pas d'être mesquin ou froid. Il s'agit de respecter votre propre paix. Si quelqu'un choisit de vous ignorer, laissez-le. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer de capter leur attention ou à lancer une conversation. Au lieu de cela, redirigez votre attention dans un cadre social, comme une fête. Cela peut signifier se tourner vers quelqu'un qui valorise votre compagnie. Commencez une conversation là. Il s'agit de reconnaître que votre valeur n'est pas définie par la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Dans les intersections inévitables où vous devez interagir avec cette personne, maintenez le professionnalisme. Gardez les conversations brèves, concises et dénuées de profondeur personnelle. Il ne s'agit pas de leur montrer qu'ils ont tort, mais de se montrer à soi-même. En gardant cela strictement professionnel, vous ne laissez pas de place pour des drames inutiles. C'est une position qui dit « Je suis ici pour ce qui est important, pas pour le spectacle ». Cette approche vous aide à rester concentré sur ce qui compte, vous gardant ancré et imperturbable par l'indifférence. En fin de compte, si le mépris continue, embrassez le pouvoir de partir. Ce n'est pas une défaite. C'est une retraite stratégique. Il s'agit de comprendre que votre énergie est mieux investie ailleurs, dans des relations et des activités qui vous apportent de la joie et de la croissance. En choisissant de ne pas vous engager dans une lutte à sens unique, vous ne dépassez pas simplement une personne. Vous avancez vers de meilleures opportunités, des interactions plus saines et un état d'esprit plus paisible. Votre réponse à l'indifférence n'est pas un signe de défaite. C'est un témoignage de votre force et de votre respect de soi. 10. Leur donner le traitement silencieux. Choisir le silence face à l'indifférence n'est pas une question de prendre le dessus. Il s'agit de maintenir votre dignité. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser le silence non pas comme un moyen de provoquer ou de manipuler, mais comme un outil de réflexion sur soi et de maîtrise émotionnelle. Quand quelqu'un vous ignore et que vous répondez par le silence, laissez ce silence être une période d'introspection. C'est un moment pour comprendre vos sentiments, trier vos pensées et trouver de la clarté. Il ne s'agit pas de punir l'autre personne. Il s'agit de préserver votre paix intérieure. Dans ce silence, il y a une opportunité profonde de croissance personnelle. Il ne s'agit pas de se fermer. Il s'agit de s'ouvrir à soi-même. Le stoïcisme nous encourage à utiliser ces moments pour réfléchir à nos vertus, nos valeurs, et à la manière dont nous voulons nous engager dans le monde. C'est une chance de se demander « Pourquoi cela me dérange-t-il ? Que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je grandir ?» Ce genre de silence est constructif, non destructeur. C'est un moment pour renforcer votre caractère et aligner vos réponses avec vos principes. Donc, si vous choisissez de rester silencieux, que ce soit un choix conscient enraciné dans le soin de soi et la sagesse, c'est une décision d'éviter de s'engager dans des comportements qui sont en dessous de vous, comme la manipulation, la vengeance ou la mesquinerie. Au lieu de cela, c'est embrasser l'appel du stoïcisme pour la tempérance et le contrôle de soi. En choisissant de ne pas répondre, vous n'ignorez pas seulement quelqu'un d'autre. Vous vous écoutez attentivement. C'est une pratique pour maintenir votre calme, vous concentrer sur votre parcours personnel et incarner l'idéal stoïcien de la sérénité face à l'adversité. 11. Ne mendiez pas pour de l'attention. Face à l'indifférence, la voie stoïcienne n'est pas de mendier pour de l'attention. C'est un appel à vous ancrer dans votre propre valeur et indépendance. Lorsque quelqu'un vous ignore, ce n'est pas un signal pour vous de performer plus fort pour leur regard.
Au lieu de cela, c'est une opportunité de se tourner vers l'intérieur et de réaffirmer votre propre valeur. Le stoïcisme nous enseigne que notre estime de soi ne doit pas être un pendule balancé par l'attention des autres. Il s'agit d'être ferme dans votre propre estime de soi, en sachant que votre valeur n'est pas négociable. Engagez-vous dans vos passions et vos poursuites avec un cœur plein de suffisance. Il ne s'agit pas de montrer pour faire réaliser à quelqu'un ce qu'il manque. Il s'agit de réaliser pour vous-même ce que vous apportez à la table. Indulgez-vous dans des activités qui vous épanouissent. Connectez-vous avec des personnes qui vous apprécient et cultivez une vie qui vous rend fier. Ce n'est pas un acte passif. C'est une embrassade vibrante et active de votre propre vie. Il s'agit d'être tellement impliqué dans votre propre croissance et bonheur que le besoin de validation extérieure commence à s'estomper dans la relevance. Donc, plutôt que de courir après une attention fugace, investissez en vous-même. Construisez une vie dont vous êtes satisfait, indépendamment de la perception des autres. Que votre confiance et votre assurance soient un sous-produit de votre développement personnel et de vos réalisations, non pas un spectacle monté pour un public. Cette approche stoïcienne n'est pas seulement pour faire face au rejet. C'est pour le transcender. En vous concentrant sur ce qui compte vraiment, votre propre parcours de croissance et de réalisation, vous transformez le rejet en une opportunité pour renforcer votre détermination et approfondir votre compréhension de votre valeur. 12. Soyez gentil mais émotionnellement distant. Même face à l'indifférence, choisissez de répondre avec gentillesse, mais gardez votre monde émotionnel fortifié. Il ne s'agit pas d'être froid, mais de protéger votre paix intérieure. Lorsque quelqu'un vous ignore, il est naturel de se sentir blessé ou frustré. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à accueillir de tels moments non pas avec une turbulence émotionnelle, mais avec un cœur serein. Offrez un sourire, un salut poli, ou un simple souhait de bonne journée, mais faites-le sans le poids des attentes. Votre gentillesse est un cadeau, non une transaction. Maintenir une distance émotionnelle ne consiste pas à ériger des murs, mais à tracer des lignes. C'est comprendre que, bien que vous puissiez contrôler vos actions, vous ne pouvez pas contrôler la réaction des autres. Cette distance n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque de force et de respect de soi. C'est un choix conscient de ne pas laisser les actions des autres dicter votre état émotionnel. En restant gentil mais détaché, vous dites « Je choisis de ne pas laisser votre indifférence perturber mon équilibre ». Cette approche ne vous protège pas seulement, elle vous donne du pouvoir. Et ce chemin de gentillesse, combiné avec le détachement émotionnel, est une puissante incarnation de la sagesse stoïcienne. C'est un équilibre qui vous permet d'interagir avec grâce, tout en restant ferme dans votre propre intégrité émotionnelle. C'est une démonstration de respect, pour vous-même et pour les autres, et un témoignage de votre maturité et de votre compréhension. De cette façon, vous naviguez à travers les rejets de la vie non pas avec amertume ou blessure, mais avec un sens inébranlable de tranquillité intérieure et de dignité. Ne révélez pas votre lutte lorsque quelqu'un vous ignore. La tentation de montrer vos luttes peut être accablante. Cependant, le stoïcisme nous enseigne l'art de maintenir notre calme. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien. Il s'agit de résilience intérieure. Montrer que vous n'êtes pas affecté n'est pas une façade. C'est un reflet de la véritable stabilité intérieure. Continuez votre vie avec la même vigueur et détermination qu'avant. Ce n'est pas une performance pour les autres, mais un témoignage de votre propre force. Cette approche ne consiste pas à nier vos sentiments. Reconnaissez-les, mais ne les laissez pas diriger votre vie. Laissez le calme et l'assurance être vos guides. Il s'agit de contrôler ce que vous pouvez. Vos actions, vos réponses, votre comportement. En continuant votre vie avec confiance, vous ne montrez pas seulement votre force aux autres, vous vous en rappelez à vous-même. C'est une manière subtile mais puissante d'affirmer que votre estime de soi est indépendante des opinions ou des actions des autres. En somme, en ne révélant pas votre lutte, vous embrassez la philosophie stoïcienne de la résilience émotionnelle. Il ne s'agit pas de cacher vos émotions. Il s'agit de les gérer de manière à maintenir votre dignité et votre respect de soi. C'est une démonstration de sagesse et d'intégrité, montrant que vous êtes ancré dans votre propre caractère et non influencé par les circonstances extérieures. Votre réponse face au rejet n'est pas seulement pour que le monde la voie. C'est un miroir reflétant votre propre force et stabilité. Nous avons parcouru ensemble les méandres de la psychologie inversée, dévoilant 13 leçons puissantes sur la transformation du rejet en outil de succès. Rappelez-vous, chaque « non » que vous rencontrez est un tremplin vers la résilience, une leçon de stoïcisme, nous apprenant à canaliser notre force intérieure. Je vous mets au défi d'appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne. Embrassez le rejet non pas comme un échec,
mais comme un catalyseur de croissance et de découverte de soi. Je suis impatient d'entendre vos histoires de triomphe. Alors abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre parcours, vos victoires et même vos luttes. Si vous manquez de mots, tapez simplement « force dans l'adversité » pour montrer que vous avez suivi notre session. Votre interaction alimente cette communauté, nous guidant vers la sagesse, la compréhension et, surtout, l'art de transformer chaque défi en opportunité. Voici à la maîtrise de l'art de la résilience stoïcienne ensemble. Restez stoïques.